Il y en a marre de voir qu'aujourd'hui les fascistes paradent dans la rue, il y en a marre de voir qu'aujourd'hui les réacs de tout poil battent le pavé, et il y en a marre de voir qu'il y a un manque de réaction. Et on s'est créé là-dessus en se battant contre toutes les formes de racisme, contre toutes les formes de fascisme. Et je crois qu'on a prouvé sur différentes mobilisations qu'on était présentes et présents à l'échelle de notre force, mais on était là tout le temps, et on est là encore aujourd'hui, et on sera là encore demain. Il faut que demain, les racistes et les fascistes de tout poil savent que s'ils viennent occuper le terrain, occuper la rue, ils nous trouveront toutes et tous, tout le temps, en face d'eux. Merci. Alors on va aller manifester jusqu'à la rue de Gourville, au plus près du local du Front National, parce que même si Marine Le Pen s'est carapatée, nous on sera là pour montrer aux militants qui seront présents qu'ils ont l'impression en ce moment d'avoir le vent dans le dos, mais ils sont encore loin d'être majoritaires, et ils trouveront des militants, des gens de manière générale déterminés en face d'eux. Merci. Manifestation aujourd'hui à Orléans contre le Front National. Parce que Marine Le Pen vient faire une conférence de presse pour soutenir la candidature du candidat sur le Front National sur Orléans. Alors ça devait se faire ici, normalement, là on est à côté de leur local. Je crois que si elle se carapate à la source, c'est parce qu'il y a une mobilisation. Et ça montre que quand on avance, on arrive un peu à les faire reculer. Et quand on se mobilise, eh ben, on montre qu'on occupe le terrain, ils sont un petit peu moins à l'aise. Donc c'est la raison de cette manifestation. Vous allez essayer d'aller au contact de cette réunion à la source ? Non. C'est-à-dire que la délocalisation de la réunion du Front National a été faite au dernier moment. Je pense que c'était pour éviter justement d'avoir affaire à affronter les gens qui ne sont pas d'accord et qui sont nombreux, notamment dans la jeunesse comme on le voit aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'au dernier moment, ils annonçaient que ça se passait à la source. Et nous, on avait maintenu un appel à manifestation. Et on est dans le centre-ville d'Orléans. Et c'est eux qui sont obligés de se délocaliser, même pas à la source, à la lisière de la source. Quoi. Alors on est toujours pas assez nombreux en définitive, mais ça fait un moment qu'on est mobilisé, notamment dans le cadre du comité antifasciste, antiraciste du Loiret, depuis la mort de Clément Méric. Nous, ça a été un sursaut pour bon nombre de militants et même de gens qui avaient envie de s'investir sur la question de l'antifascisme, l'antiracisme. Et depuis, on s'est mobilisé sur plein de questions, sur des agressions islamophobes, par rapport à l'avenue de Dieudonné aussi. Et là, on a dit qu'on serait présent contre toutes les formes de racisme, de fascisme qui viennent de l'État, qui viennent d'organisations d'extrême droite comme le Front National. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Et vous allez vous mobiliser sur d'autres manifestations, y compris à Paris, qui n'est pas très loin d'ici? Ouais, s'il y a des manifestations nationales, on en sera, on organisera des montées. En tout cas, on s'est dit que partout où il y aura des manifestations de racisme, de discrimination, de fascisme, d'homophobie, on en serait et on serait partout où l'extrême droite, quelles que soient ses formes, quelles que soient les formes qu'elle prend, eh ben, elle nous trouverait sur sa route partout dans le Loiret. Ouais. Clément, Clément, Antifa, Clément, Clément, Antifa, Clément, Clément. En juin dernier, notre camarade Clément Méric, qui était membre de l'action antifasciste Paris-Banlieue et de Solidaire étudiant Sciences Po, s'est fait assassiner par une bande de fascistes affiliés à Troisième Voie. Donc rappelez que l'extrême droite tue encore aujourd'hui. On s'appelle aussi qu'il y a un mois, il y a eu des agressions au couteau à Lyon, deux mineurs confinés à l'hôpital. Les agressions se multiplient partout. Donc voilà, on n'oublie pas, le fascisme tue, ensemble, combattons-le. Milice patronale, monde national, milice patronale.